Salut tout le monde, c'est Superflo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tuto pour vous montrer comment télécharger une intro sur YouTube et tout. Parce que du coup, parce que je me suis fait une intro, et tout le monde me demande si c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas moi, du coup, je l'ai pris sur Internet. Donc, du coup, je vais vous montrer comment il faut faire pour télécharger une intro sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous marquez télécharger intro, comme j'ai fait. Parce que moi, j'ai fait une intro pour mes vidéos, donc je vais vous montrer en vitesse. C'est ça comme intro. J'ai marqué super flou dessus. Et du coup, c'est une intro comme ça avec une musique et tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer comment il faut faire. Il y a soit, bah moi j'en ai trouvé, je vais vous faire voir où je l'ai pris. C'est sur celui-là là. Le petit site qui est la petite vidéo qui est là, donc je vais vous montrer. Donc il y en a plusieurs, il y en a trois. Donc j'ai essayé juste à voir celle-là parce que les autres j'ai pas essayé. Donc vous allez là dans la description de la vidéo de la personne, vous allez dans rendu, vous le téléchargez. Donc là ça va vous mettre ça, vous le téléchargez, vous cliquez sur celui-là, Doll One. Vous le téléchargez, vous faites. Bon, moi je fais ça, ok. Donc ça va me le mettre là-dedans. Je vais le marquer parce que je l'ai déjà. Donc je vais marquer n'importe quoi dessus. Hop, il va me l'ouvrir. Et voilà, donc du coup maintenant je l'ai. Là vous voyez, j'ai l'intro et tout. Il n'y a pas de musique dessus. Le volume il est à fond. Donc j'ai pas de musique dessus. Donc je viens de télécharger l'intro sur Internet. Et du coup il vous faut Cinema Game. Camtasia Studio pour faire Camtasia Studio. Désolé pour le petit bug que j'ai eu. Vous allez dessus. Donc je vais vous montrer comment faire. Attendez, je efface ça. Nouveau projet. Voilà. Donc du coup vous arrivez là-dessus. Vous faites importer média. Vous cherchez votre intro. Moi c'est celle-là. Comme j'ai déjà fait et tout. Après vous prenez une musique que vous voulez, je mettrai les liens des musiques que vous voulez en soi, une intro et tout. Donc vous faites là, vous glissez, si vous savez comment ça marche. Je mettrai aussi le lien pour craquer Camtasia Studio. Donc il est là, la vidéo elle est là. Donc ça, je peux pas l'agrandir plus. Après vous mettez une musique. Mince, attendez, je me suis trompé. Voilà. Importe, toujours pareil, importer pour la musique. Hop, je prends celle-là. C'est pas grave, je la mets en dessous. Voilà, donc merde, je me suis trompé, désolé. La musique est longue, c'est ça la musique. Donc vous faites glisser. Ah là. Hop. Vous écoutez la musique. Donc voilà, stop, là ça me plaît à peu près. Donc vous voyez les deux petits traits verts là et rouge d'un côté. Vous mettez au début. Et l'autre à la fin de la musique. Le mieux c'est de déplacer, sinon ça va couper en fait la vidéo, donc c'est embêtant. Donc hop, là à peu près, je mets ça. Attendez, hop, merde, j'arrive plus à l'avoir. Attendez 2 petites minutes, j'essaie de l'avoir. Voilà. Tac tac. Donc vous cliquez côté droit de la souris. Vous faites cut en haut le premier. Hop, ça va couper la vidéo, le bout de la musique. Vous supprimez là. Donc désolé, je connais pas trop l'anglais, donc je peux pas vous dire. Après vous faites CTRL CV, ou soit copier-coller. Et du coup, là vous pouvez réduire pile à la fin de la vidéo, comme ça. Et du coup, on peut mettre en route. Et vous avez la musique plus l'intro. Donc désolé pour les petits bugs parce que ça rame un peu. Donc voilà, vous avez la musique plus l'intro, c'est pas fini. Donc du coup, je vais vous faire voir comment rajouter un prénom, votre nom, n'importe quoi. Vous allez dans l'icône là où il y a les bulles, les petites bulles là, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la dernière flèche en bas là. Et du coup là, ça va vous mettre une main avec un petit rectangle, vous cliquez dessus. Donc ça va vous mettre après tout pour en noter. Donc vous regardez bien. Attendez 2 minutes, voilà, tac. Donc moi je marque
par exemple Superflow. Voilà. Donc après vous avez tout, vous avez la police, pour agrandir et tout, les tailles, les couleurs. Donc après je vais juste décaler celui-là parce que je me suis trompé. Du coup si je me trompe pas c'est ça. Attendez, je regarde encore une fois. Je vais juste abaisser le son. Attendez, si je me suis trompé, c'est bon, voilà. Là, ça s'est affiché là parce qu'en fait, je l'ai mal fait. Donc, du coup, vous avez vu, à un moment, ça s'est affiché Superflow en noir. Donc, du coup, on reprend. Moi, j'ai juste fait un truc. La musique, vous pouvez la mettre en haut. Et le... Du coup, le texte, vous le mettez en deuxième. Moi, je l'ai mis en troisième, la musique. Donc, après, vous l'agrandissez, vous le mettez en 36. Donc, ça fait un gros, c'est un peu normal. Du coup, la musique, je vais la baisser un peu parce que ça va faire trop de bruit, du coup. Merde, j'ai pas remis le début, désolé. Donc voilà. Merde. Donc du coup, je remets le début. Et vous allez regarder, à un moment, ça a marqué Superflow. Là, à peu près, voilà, Superflow. Jusqu'à la fin, après, c'est à vous de régler. Voilà. Là, c'est mis jusqu'à la fin de la vidéo. Après, si vous voulez au début, au milieu, ou que à la fin, après, faut voir. Mais... Faut voir. Après, vous avez aussi le... Hop, faut que je me retrouve. Je sais plus comment je fais, voilà. Tac, il faut faire avancer un peu. Là, comme vous voyez ici. Voilà, après c'est à vous de bien placer. Bon, là du coup c'est marqué en deux fois, je sais pas pourquoi, mais après c'est à vous de placer au milieu et tout. D'agrandir sur les côtés. Désolé si ça fait... on le voit en deux fois. C'est à vous d'agrandir. Après vous pouvez mettre des doubles d'effets et tout. Pour... voilà, ça marche pas, mais des fois ça marche les effets. Et sinon pour enregistrer la vidéo, vous allez sur... Producteur en haut, vous allez là, vous allez sur la petite flèche qui est là, vous avez tout, YouTube et tout, vous le mettez en mode MP4 de 720p, vous faites suivant. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, donc voilà, ça, je vais faire ok. Et après vous le mettez dans un dossier, genre dans le bureau par exemple. Et après vous faites enregistrer. Et là vous marquez un truc, puis après vous faites terminer, puis ça va mettre du temps à, ça met un chiffre, puis ça va télécharger. Donc du coup après je vous mettrai les petites musiques pour télécharger si vous voulez télécharger ou pas les musiques que moi j'ai pris et tout. Je mettrai dans le lien de la description de, du tuto. Et il y a aussi un site que je vais vous montrer en fait, qu'on j'ai appris que c'est un abonné qui m'a fait voir pour télécharger les, si vous connaissez pas, ça s'appelle En Ligne Vidéo Converteur. Vous allez sur français. Donc désolé si c'est un petit peu quand je parle. Converteur AVI MP4, vous allez cliquez dessus. Donc là ils vont demander coller votre lien ci-dessous. Donc vous prenez n'importe lequel, je prends genre mon lien à moi de ma vidéo, de mon intro. Hop, vous allez là, vous faites. C'est par contre ça va vous mettre la pub dans la pub en haut, donc ça c'est un peu embêtant des fois. Donc vous cliquez sur la flèche. Des fois ça marche ou des fois ça marche pas. Vous le mettez en MP4. Ça va télécharger, ça va marquer connexion au serveur en cours, ça va télécharger, télécharger, il faut attendre un peu. Puis après ça veut dire, on va attendre un peu, voilà, puis après ça, il faut cliquer ici, sur le petit truc de téléchargement. Voilà, la vidéo elle est là, il faut cliquer là-dessus. Et voilà, puis après il faut le enregistrer, puis voilà, ça va enregistrer. C'est vraiment pas mal, c'est moi je m'en sers. Donc, je m'en sers beaucoup, donc je mettrai, si vous avez bien compris, je vais vous dire en vitesse, vous allez sur YouTube. Vous marquez télécharger intro et après vous en trouvez plein et tout, et en fait il faut avoir le lien de la de l'intro en sous, en sous comme la personne elle a fait. Mais si elle a pas le nom par dessus, parce que c'est des fois s'il y a des pronoms, moi j'arrive pas à l'enlever en fait des pronoms par dessus. Donc voilà, après il faut regarder, faut fouiller un peu, faut moi je l'ai fait pour mon intro et du coup bah ça marche. Et donc voilà, donc c'était pour un petit intro pour vous montrer comment télécharger une intro en fait. C'est un tuto pour vous montrer, et je mettrai les liens de la des musiques, le lien de En Ligne Vidéo Converteur, et je mettrai le lien pour télécharger pour faire le montage vidéo avec Camtasia Studio. Donc bah je vais vous laisser, bon courage, je préfère vous dire bon courage pour si vous arrivez, si vous arrivez pas dites moi le en commentaire, je vais essayer pour vous le faire. Mais si je vous fais un tuto à télécharger pareil, et je vous ferai ça en vitesse.
si j'ai temps. Sinon, bah, bon courage à... et bon courage à télécharger puis à le faire. Et si vous avez besoin un petit coup de main, dites-moi-le en commentaire. Laissez un petit pouce vert, abonnez-vous. Et donc, c'était une petite vidéo. Salut!